Et lui les gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog itisson3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Kingdom Come Deliverance sur PC. Je le rappelle, un jeu qui m'a été offert par Gros Doudou, donc encore une fois, pardon, un immense merci à toi. Nous sommes actuellement dans la forêt et on cherche le seigneur Capon qui est parti à la poursuite d'un sanglier qu'il voulait chasser et qu'il n'a pas eu l'occasion de tuer, donc on se balade. Je ne sais pas exactement dans quelle direction il est parti, j'imagine que si j'avais eu un cheval... J'aurais pu essayer de suivre le sanglier aussi. Vous avez remarqué que cela a considéré que j'avais échoué la mission de la recherche du sanglier. Donc forcément, le jeu s'adapte. Je vous avais déjà expliqué auparavant comment les choses se passaient. Et bien voilà, vous en savez un peu plus. Est-ce que je suis loin de la zone ou pas? C'est immense comme truc. Quoi ça? Un cerf, une biche. Lieu de chasse au cerf, intéressant. Il y a un petit chemin par là-bas, on va essayer de s'en rapprocher pour voir. Tiens, lapin. Il y a l'air d'avoir un camp par ici. Ah, on a trouvé Hans. C'est quoi ça, un truc? Secourir Hans Capon. Ok, donc il a des soucis. Qu'est-ce que tu regardes, mouche à merde? Tu n'as jamais vu un vrai homme? Ok. Je sais pas trop où est-ce qu'ils sont là pour l'instant. Ils sont en train de manger avec un petit peu de chance. Bande de scélérats! Vos mères vous ont chié et vos sœurs ont une plus grosse bite que vous! Ben, je sais pas viser. Attends, 30 secondes. Attends un peu, non mais attends, et tu veux pas laisser... C'est quoi cette arnaque? Bon, bien sûr, j'ai pas d'épée. Arme, on va se le tesson, je sais même pas pourquoi je l'ai pas équipé en fait, le tesson de base. J'ai aussi un bouclier, il me semble, non? Monsieur se protège bien. C'est un coumant. L'autre me tire toujours dessus. Et il se protège bien lui là. Si je pouvais te faire perdre ton bouclier à toi là. Autant je fasse. Assorba. 30 secondes, j'essaie juste de m'éloigner assez pour taper l'autre. C'est tellement galère quand dès qu'il y a plus d'un combattant là. Bon, lui je l'ai mis KO, j'espère. C'est bon, il s'écroule. Nickel. Toi, je vais te faire souffrir aussi. Viens là. Je préfère attendre cette attaque, c'est tellement plus facile de parer. Ouh.
C'est bon, je t'ai eu. C'est bon, je t'ai eu. Ok. On range ça. On va les fouiller. C'était pas de tout repos, hein. Bon, je vais prendre tout ce que je peux trouver d'intéressant. Et on va aller sauver le monsieur. Gants en cuir, ça a l'air d'avoir beaucoup de valeur. Du pain, je prends. Voilà. Ensuite, l'autre mec était où? Là. Une oreille de Koumand. C'est original, je sais pas ce que ça vaut. Et mince, je suis encore en surpoids, bah oui. Je suis même bien, bien en surpoids. Je sais pas trop s'il me voit. Ah mince. Moi je m'en fiche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres coffres éventuellement qui traînent dans le coin? Qu'est-ce que tu fais? Détache-moi, nom d'un chien. J'arrive, je pille les coffres. Ça se trouve, il va me dénoncer après. Rien là-dedans. Oui, c'est moi. C'est quoi, je suis un peu occupé là, ça te dérangerait pas de repasser plus tard? Non, parce que t'es bien foutu de moi jusqu'à présent, non? Bon allez, on va quand même te parler. Je vais faire sculpter un buste en bronze en ton honneur, mon ami. Mais où étais-tu passé? Oh, vous savez, j'ai cueilli des fraises, j'ai bu un verre de vin, fait une petite sieste. Tête de nœud! Ils ont failli me faire rôtir à la broche. Je dirais plutôt qu'ils étaient sur le point de prendre votre virginité. Dis donc, espèce de cutéreux, est-ce une façon de s'adresser à un noble? Comme je vous l'ai dit, on va éviter de le fâcher. Je m'excuse, monseigneur. Je suis ravi que vous alliez bien. Je te fais marcher, triple buse. Merci de m'avoir secouru. Cette plaie n'est pas belle à voir, seigneur Capon. En effet, ces porcs de Koumand m'ont quelque peu malmené. Et mon maudit cheval s'est emballé. Il va falloir que tu me ramènes chez moi. Le plus tôt sera le mieux. Qui sait combien de bandits il peut encore y avoir par ici. Alors allons-y. J'ai eu ma dose d'émotion pour aujourd'hui. Est-ce que ça va nous faire rentrer malgré le fait que je sois en surpoids? Ça serait parfait. Un peu de la triche, mais parfait. Eh ben ça rentre. Nickel. Seigneur Capon. Venez, venez tous ici. Toi, aide-le. Comment est-ce possible, Radzig?
Ces salopards ont le culot de venir se promener à deux pas du château. Il faut qu'on envoie plus de patrouilles. Ça ne nous servira à rien, Anouche. Même si on avait 10 fois plus d'hommes, on ne pourrait pas fouiller tous les bosquets du fief. Vous vouliez me voir, monsieur ? Entre. Je ne sais pas comment te remercier, Henri. Sans toi, Capon ne serait plus parmi nous. Et dire que c'était ta punition de l'accompagner. Je ne faisais que mon devoir, monseigneur. Ne sois pas si modeste, Henri. Tu as prouvé ta bravoure, mais aussi ta loyauté. Par conséquent, je te prends dans ma garde personnelle. Seigneur, je... Merci à vous. Et maintenant, trinquons à ta promotion et au rétablissement de Capon. Eh bien, ne reste pas planté là, sers-nous un verre. Désolé de vous déranger, monsieur, mais je porte des nouvelles urgentes. Quoi encore ? Un palefrenier est venu de Neuhof. Il dit que des bandits ont attaqué leur haras ce matin. Il y a beaucoup de morts et de mutilés. Kurva ! Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Je n'en suis pas sûr. Le garçon était tellement bouleversé qu'il pouvait à peine parler. Il a dit qu'ils avaient massacré par pur plaisir. Condoléances, monseigneur. Votre vassal Smil est mort. Qui a fait ça ? Qui sont ces gens ? Aucune idée, monseigneur. Le palefrenier n'arrêtait pas de bredouiller qu'un type gigantesque en armure noire dirigeait l'assaut. Prenez autant d'hommes qu'il vous faut, et ne revenez qu'après avoir retrouvé ces salauds. Et apportez-moi leur tête ! Oui, monsieur. Mes hommes sont aussi à votre service, Anouche. Merci, mon ami. Monsieur, laissez-moi les accompagner. Il fait preuve d'une énergie débordante. Leur chef, ça doit être celui qui m'a attaqué à Scalis. Il ne peut pas y avoir deux hommes qui se ressemblent autant dans le royaume. Tu penses qu'il a toujours mon épée ? Un épéiste de plus ne sera pas le trou, capitaine. Comme vous voudrez, monseigneur. Quand pouvez-vous partir, Bernard ? Dès que les hommes seront prêts. Parfait. Allez attendre Henri dans la cour. Et... donnez-lui un cheval. Sa propre monture ? Pour avoir sauvé le seigneur Capon. Il en aura besoin. Merci, monseigneur. Merci. Filez ! Je veux voir les coupables entre les mains du bourreau dans les plus brefs délais. Je ne vous décevrai pas. J'ai gagné un cheval. Eh ben, j'ai bien fait de faire une bonne action. Par contre, il va falloir que je me dépêche d'aller revendre certaines petites choses, peut-être. Ça risque d'être galère, je pense. On va essayer de se dépêcher. On n'en sait pas plus pour le moment. C'est tout ce que le palefrenier de Neuhof nous a dit. Alors mettez votre cul sur une selle et que ça saute. On pourra peut-être rattraper cette vermine. J'ai essayé de me... Non, je peux pas me dépêcher. S'ils m'attendent trop, ils vont faire la tête. Dites-moi qu'il est là. Forgeron, s'il vous plaît. Mes hommages. Ils vont partir sans moi, sinon. Parlons à faire. Vendre. Il a 615 pièces. Armure. C'est plus intéressant que ce que j'ai, ça, le camail. Ça, je vends. Ça, je vends aussi. Le pourpoint est complètement abîmé. Ça, je vends. Ça aussi. Ça,
ça aussi. On a 134 dans les armes. Qu'est-ce que je peux essayer de lui vendre? On a un tesson. 40, 43. Hop là, on va vendre ça. On va demander à vérifier le panier. Et à marchander. J'aimerais discuter du prix. Oui? Satisfait? Ça commence à être alléchant. Un peu moins cher et ça me conviendra. Enfin une somme raisonnable. Bon allez, maintenant faut que je me dépêche d'aller dans l'autre sens. Je ne suis plus en surpoids. Pour vous qui ne soyez pas parti sans moi. Apparemment c'est bon. Encore vas-tu nous faire patienter. C'est lequel mon cheval? On peut y aller, tu es prêt? Non, pas vraiment, mais on peut y aller quand même. Je suis prêt, capitaine. Parfait. Alors suis-moi, reste tranquille et fais tout ce que je te dis. J'ignore ce que le seigneur Radzig voit en toi et je m'en fiche. Mais si tu accompagnes mes hommes, tu dois m'écouter. Oui, chef. Contre toute attente, ils ont décidé de te fournir ton propre cheval. Le tien est le gris tacheté à côté de mon étalon. Tâche d'en prendre soin. Mets-toi en selle et suis-nous. Oui, monsieur. 30 secondes. J'ai quand même une oreille de Kouman dans mon inventaire. Hein. J'espère que c'est pas un truc qui se périme avec le temps. Ce que je voulais juste faire, c'était porter ceci. Voilà. J'aurais pas forcément l'air plus commode. Ok, donc j'ai oublié de porter le camail, des gants en cuir. J'avais déjà des gants en cuir. Galet, voilà, ça c'est mon cheval. Parfait. Allez, mettez-vous en selle. Et je ne veux pas voir de traînard. Le dernier arrivé va m'entendre. Alors, ça c'est pour le cheval. Harnachement, info, vitesse, capacité, courage, santé, endurance. Je sais pas si je peux le faire évoluer le cheval. On verra ça. Je vous suis, messieurs, je suis là. Ah, cette galère, encore une fois, ils vont plus vite que moi. Ils sont entre deux de mes vitesses, en fait. Si je suis à celle-ci, je suis trop lent. Ah, Dieu merci. La taverne est en un seul morceau. Et si je suis à la vitesse supérieure, et ben je vais trop vite. Résultat, j'ai pas trop le choix, en fait. Faudra que je fasse des petites accélérations de temps en temps. Bon, là, j'avais un peu oublié que ça s'accélère, le rythme. À ce moment-là... Oh, une vache! Bonjour, madame. C'est un taureau, en fait, j'ai pas fait gaffe. Ça va, y a quand même de l'écart entre nous. Et là, ça fait penser, est-ce que j'ai monté de compétences quelque part ? Compétences en chasse, ah oui, j'avais dit que je ne savais pas quoi prendre pour l'instant. Et en combat, c'est pareil, c'était un compoint à l'épée. Je suis pas loin du niveau 6 au niveau principal, pas loin du niveau 5 en agilité et en vitalité. Niveau 4, je veux pas être le dernier. Hein. Il a dit qu'il fallait le suivre aussi, donc je ne veux pas chercher à aller trop vite. J'ai découvert un nid. Je sais pas où il est. En tout cas, il sera affiché sur la carte. Vous voyez cette fumée? C'est tout Neuf qui est en feu ou quoi? Je ne vois aucune fumée à l'horizon, monsieur. Je crois que vous avez la berlue.
Ah si, ça y est, la voilà. Faut croire que monsieur a un processeur plus efficace que le mien. Les corbeaux qui étaient en train de manger les chevaux. Point de voyage rapide, d'accord. Normalement, ils vont s'arrêter par là. Où est ton maître ? Dans l'enclos. Crucifix ! Quel monstre est capable de faire ça ? Par le sang de tous les martyrs. Que s'est-il passé ? Pourquoi ? Ils sont venus pendant la nuit et ils les ont tous mutilés. Les chevaux ont henni et ont dû réveiller Radek, le palefrenier. Quand il a tenté de les arrêter. Et puis mon mari a essayé de secourir Radek. Ils l'ont tué aussi. Et après ça, ils ont mis le feu aux étables. Mes plus sincères condoléances, madame. Soyez-en sûre, nous allons chasser ces monstres et les faire payer pour leurs crimes. Quand je suis arrivée, les chevaux étaient encore en vie. On a dû tous les achever. Un par un. La douleur dans leurs yeux. Ils ne comprenaient pas qu'on puisse leur faire une chose pareille. Ils ont volé quelque chose ? Des chevaux ? Rien. C'est du sang qu'ils voulaient, pas de l'argent. Votre mari n'était en conflit avec personne ? Quelqu'un qui voudrait se venger ? Il s'est disputé à propos du prix d'une selle, je crois, mais rien. Rien qui puisse pousser un homme à faire ça. Sombre époque, même les chevaux ont plus de bienveillance que les hommes. Vous avez vu quelque chose ? Combien ils étaient ? Ou de quoi avaient-ils l'air ? Nous n'avons vu personne. Personne n'a essayé de retrouver leurs traces. Non, on était trop occupés à lutter contre les flammes. Et puis, de toute manière, quelle chance on aurait eue contre des gens capables de tels actes. Qu'ils soient maudits. Quadrillez le périmètre. Il faut qu'on trouve par où ils sont partis. Cherchez des traces et demandez aux villageois s'ils ont vu quelque chose. Merde, quelqu'un vient de les apercevoir. Oui, capitaine. Et moi, capitaine. À quoi diable pourrais-tu me servir ? Tu restes ici. Laissez-moi faire quelque chose. Je pourrais aller voir s'ils ont laissé des traces aux alentours. Bon, puisque tu y tiens. Mais veille à ne gêner personne. Ne va pas trop loin et reviens ici dès que tu auras fini. Je trouve qu'on a un peu tendance quand même à ouvrir la bouche trop souvent. C'est pas une bonne chose dans ce genre de monde. Quelquefois, faut savoir se faire discret. Alors, Naruda. Mais je voudrais juste savoir. Et moi, je voudrais juste que mes amis ne se fassent pas assassiner.
pendant que vous êtes assis bien au chaud derrière les murs du château. Mais nous sommes venus au plus vite. Allez dire ça à Franta, qui gît sur le sol. Il est là, étendu à terre, découpé en deux, comme un cochon. Allez le voir. Allez lui dire que vous êtes venus au plus vite. Quel putain de foutoir. C'est chaud. Ils les ont vraiment massacrés. Qui a bien pu faire une telle chose? Comment peut-on être aussi cruel? Smil, le propriétaire du Hara. Il venait parfois à Scalis. Je plains sa pauvre veuve. On va essayer de parler à tout le monde. Allez-y, oui, qu'est-ce que tu veux? Je peux revenir plus tard, si vous... Non. Je vous ai vu arriver avec les soldats. Et plus tôt vous serez au courant, plus vite vous attraperez ces sauvages. Qui devrais-je interroger sur l'assaut? Quelqu'un a vu quelque chose? D'après ce qu'on dit, c'est Michel qui s'est réveillé en premier. Ce serait une bonne idée d'aller lui parler. Jacob, le vieux palefrenier, il les a même affrontés. Rouquin dormait dans l'étable, il a peut-être vu quelque chose. Je ne vois personne d'autre. Ok, ça fait 3-4 personnes à interviewer. Désolé interroger de vous importuner, plutôt. Madame, mais pouvez-vous me parler de l'attaque? Le bruit nous a réveillés, Smil et moi. Nous avons cru que les chevaux étaient agités ou qu'un ivrogne avait titubé jusqu'au Hara. Alors par contre, je suis désolé, j'ai un peu de tension parce que j'ai pas dormi cette nuit, donc forcément ça n'aide pas. Peut-être aussi pour ça que j'articulerai moins ou que je serai moins compréhensible, ça arrive. Ça arrive souvent que des ivrognes viennent ici? Parfois, mais pas cette fois. Mon mari est sorti pour voir ce qui se passait. Puis, je n'ai plus entendu que des cris et des hurlements. C'est tellement bête. Je n'ai pas imaginé une seconde qu'il puisse arriver quelque chose à Smil. Je ne l'ai découvert qu'au matin. Ah oui, qu'au matin, effectivement. Quelle voix avez-vous entendu? D'où provenait le bruit? Y a-t-il un grand gaillard en noir parmi eux? Avez-vous reconnu les voix que vous avez entendues? Non, mais ils parlaient tchèque. Ils juraient comme des démons, même entre eux. Entre eux? Ils se disputaient? Oui. Il a dû se produire quelque chose. Avez-vous entendu d'où provenait le bruit? De partout. C'était le chaos. Je ne saurais même pas dire combien ils étaient. Je veux dire au tout début. Est-ce que vous vous souvenez d'où provenait le bruit? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que vous les avez vus? Un homme immense et vêtu tout de noir. Ça vous dit quelque chose? Non, du tout. Ok, merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Là, c'est qui, du coup? Il s'agit de Jacob. Encore un bon à rien de soldat qui vient poser des questions? Vous auriez dû être là hier soir. Qu'est-ce que vous avez au bras? Oh. Oh, mince. Ça doit faire mal. C'est tout ce que vous avez à dire? Espèce de crétin! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici? Ces fumiers nous ont attaqués. De nuit, un peu avant l'aube. Comment vous êtes-vous fait cette blessure? J'ai entendu des voix, alors je suis allé voir dehors. C'est là que j'ai vu ce qu'ils avaient fait aux chevaux. J'ai crié sur ces ordures. J'en ai empoigné un par sa cape et je me suis mis à le frapper. Sans aucune arme? À main nue? Ouais. Mais ce salaud m'a bien entaillé. Heureusement, les autres ont commencé à sortir, ce qui a fait fuir les assaillants. Tout ce qu'il reste, c'est sa cape. Vous ne savez pas du tout pourquoi ils ont fait ça? Quelque chose a dû mal tourner. Ils sont partis sans rien emporter avec eux. Il y a un homme en particulier, immense, tout de noir vêtu, avec une voix à fendre la pierre. Vous l'avez vu? À votre avis, qui est-ce qui a failli me tuer? Il était donc bien là, ce fumier. Pourriez-vous m'aider? Vous aider? Parce que vous m'avez aidé, vous? J'aurais bien aimé avoir un deuxième niveau. Mais pourquoi tuer gratuitement? C'est une bonne question. Comme je voulais dire, en fait, il y a des gens qu'on peut soigner au bout d'un moment, quand on a la compétence. Et là, j'ai que le niveau 1, donc je peux pas faire grand-chose. Là, nous avons un garde. Comment peut-on être aussi cruel? Il y a des gens morts un peu dans tous les sens, là. Pauvre homme. Il a dû ramper jusqu'ici. S'ils en avaient après les chevaux, il doit y en avoir encore plus dans les étables principales.
effectivement, c'est pas la joie. Hein. Il y a un bâtiment qui a complètement brûlé ici. J'espère qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Et si c'est le cas, ça va pas être cool. Ok, il y a d'autres personnes ici. Le veilleur. Villageois. Villageoise. Non, je peux que faire du vol à la tir. Lui, je ne peux... Ah, si, je peux lui parler à lui. On sait qu'un villageois, il n'aura pas grand-chose à nous dire, normalement. On va aller parler à celui-ci. Quoi ? Qui va là ? Du calme. Je voulais seulement vous demander... Je ne sais rien du tout. Êtes-vous blessé ? Non, non, du tout. Pas une égratignure. Que s'est-il vraiment passé ici ? Je ne sais pas. On s'est fait attaquer. J'ignore par qui. Vous ne sauriez pas par où ils sont arrivés ? Non, je n'ai rien vu. Ok. On va aller parler à celui qui reste là. Tu vas bien ? Question idiote. Laissez-moi tranquille. Fichez le camp. Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Avec ton aide, je retrouverai ces bâtards et je les ferai payer. Ils le méritent. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Que s'est-il vraiment passé ici ? Ils ont tué les agneaux et... Pourquoi ils les ont tués ? Pour le plaisir. Non. Ont-ils pris quelque chose ? Non. Réfléchis bien. Comment tout a commencé ? On a entendu les animaux. Leurs cris, puis mille. Il s'est bien hurlé. Et ils l'ont assassiné. Tu es certain que c'était d'abord les animaux et ensuite Smil, et pas l'inverse. Certain. Je n'avais jamais entendu un son aussi singulier. Je ne pourrais jamais l'oublier. Que s'est-il passé ensuite ? On a couru dehors et c'était le chaos. Les animaux agonisaient, les étables prenaient feu et ces démons étaient partout. Les étables étaient déjà en feu ? Ça n'est pas arrivé après leur fuite ? Non. Ils ont dû mettre le feu dès qu'ils sont arrivés. Tu dis qu'il s'agissait de démons ? Non, de la vermine. De la vermine humaine. Combien est-ce qu'ils étaient ? Pas nombreux. Seuls quelques-uns s'en sont pris à nous. Mais il y en avait plus derrière. Je les ai entendus se hurler dessus. J'arrête pas de taper le micro, c'est pas bien ça. J'espère que ça ne fera pas de bug de son. Est-ce qu'il hurlait à cause du bruit ? Non, il s'est passé quelque chose. Ils se disputaient. Derrière ? Où ça ? En direction des bois, vers le nord. Ils tentaient de s'échapper. Donc, certains d'entre eux fuyaient pendant que les autres se battaient ? Ouais, pendant un moment. Ensuite, plus de gens sont sortis et on a riposté. Alors, ils se sont tous enfuis. Où ça ? Où sont-ils partis ? Vers le nord, dans les bois. Merci. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Ouais, niveau principal. Interroger les survivants, ça c'est fait. Alors attendez. Personnage. Niveau principal. Je peux faire premier soin 2 maintenant. Duel des voyages rapides. Je vais essayer de prendre ça, parce qu'en fait ça m'intéresse dans le sens où... je pourrais l'utiliser dans les dialogues après. Et j'aurais bien aimé voir si on avait la possibilité de faire quelque chose de plus. Interroger les survivants, donc cette mission accomplie.
Il a été dit qu'ils étaient partis au nord. On va aller voir ça de plus près. Ils se sont enfoncés dans les bois, j'en suis sûr. Ok. On va quand même aller chercher de l'aide au cas où. J'ai pas envie d'explorer ça tout seul, on sait jamais. S'ils sont deux ou trois, on pourrait galérer énormément et mourir bêtement. Donc on va essayer de revenir un petit peu en arrière. D'aller parler avec divers personnages. Et notamment le capitaine Bernard. Pour lui faire un rapport de ce que nous avons découvert. Et voir s'il peut nous apporter des éléments supplémentaires. Toi, c'est Henri, bon. Ravi de te voir ici. Putain, si tu changes de dialogue, toi. Non, j'ai pas plus d'options, c'est dommage. Bon, capitaine Bernard. Les assaillants se sont enfuis dans les bois au nord. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Les palefreniers. D'après ce qu'ils disent, c'est très probable. Donc tu te fies aux paroles de ces pleutres. Ils ont peut-être eu peur, mais ils savent ce qu'ils ont vu. J'envoie Rouda pour t'accompagner, si ce que tu affirmes est vrai. Rouda, je suis là, capitaine. Tu vas accompagner Henri ici présent pour inspecter les bois au nord. Mais, monsieur... Sur le champ. Ça a pas l'air de lui plaire. Tu viens, Rouda ? Allez hop, on y va. Qu'on allait faire le ménage. Bonjour monsieur le garde. Ça va l'air de me rattraper au fur et à mesure. Tout va bien. On va éviter de faire des longs détours. Il me suit toujours, parfait. Ce ne sont pas des traces d'animaux. C'est par ici qu'ils sont entrés dans les bois. J'aurais peut-être dû inspecter un peu plus. Mais bon, au moins on sait que après avoir suivi le chemin, normalement, on devrait tomber sur quelque chose. Par contre, s'il pouvait se dépêcher, lui, ce serait bien aussi. Là, il y a d'avoir un chemin. Ces salauds, et je les enverrai moi-même en enfer. Mais moi, je serai déjà là-bas à les attendre. Ne dis pas ça. On va retourner au campement, et on s'occupera de toi sur place. Non, mon ami. Mon compte est bon. Va-t'en avant que quelqu'un me trouve ici. Ne t'en fais pas pour moi. Tu sais que je ne peux pas te laisser ici. S'il te trouve... Je sais. Je voulais le faire moi-même. Mais je n'en ai même pas la force. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ? Bon sang, tu crois que j'ai le choix ? Mais pourquoi t'as fait du bruit ? À la bonne heure, un peu de distraction. Je vais te massacrer. Ouah. Ah, le déplacement ultra rapide du mec. Il est pas mort, je sais pas si je l'achève ou pas. Ça suffit! Non mais c'est quoi cette arnaque? Il paraît que vous cherchez la bagarre. Et nous, on n'aime pas ça par ici. Non mais ça va mec? Vous auriez dû y réfléchir à deux fois avant de faire ce que vous avez fait. Vous êtes bon pour une grosse amende. Mais je te défendais, 200 pièces d'or! Bon, comme si j'avais le choix. Voici et l'argent. Il faut qu'il se calme là. Que je ne vous y reprenne c'est pas. C'est du racket ça hein.
Et la prochaine fois, je te défends pas, toi. Hein. Merde, cours vite dire au capitaine Bernard ce que tu as vu. Pendant ce temps, je monte la garde ici. Je te tuerai bien, en fait. Je suis en train de crever. Personne ne m'égale au combat à l'épée. Et un foutu paysan m'a planté. Avec une dague couverte de crottin. Ah ! Fouiller le bandit. Ok. C'est le cure-pied. Quelqu'un à Neuhof doit sûrement en savoir plus. Il est mort, on s'en fiche. Tu risques de m'embêter en plus. C'est bon, tu dis rien cette fois-ci ? Que je prenne un seul élément supplémentaire. Ok, bon bah reste ici toi. Je m'en vais me voir ailleurs si j'y suis. Le fait est qu'on vient de perdre 200 pièces pour rien quoi. Ça fait partie des petits défauts du jeu. Le mec a pas dû comprendre qu'on était en train d'essayer de le défendre. Peut-être qu'il voulait garder le personnage contre lui, juste pour lui. Il s'accordait toute la gloire. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Bref, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, je pense, puisque la quête est encore très très longue, c'est la quête principale, forcément. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouvera quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous, je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappestjeux.fr ou sur mon blog itisan3.fr. Passez une agréable fin de journée, prenez soin de vous, et à ciao tout le monde. Salut.